Bienvenue dans cet épisode qui apporte quelques changements. Le premier, vous l'entendez déjà. J'apporterai ma voix pour partager mes émotions, sentiments ou explications à certains moments de mes vidéos. Le deuxième, un épisode sur deux, sera que je serai plus focus sur la découverte des alentours. Jusqu'à présent, je vous ai partagé quelques textes sur certains plans, dans l'espoir d'éveiller en vous les mêmes sentiments de contemplation que j'ai ressentis en les filmant. Mon but, ou tout du moins mon objectif, est de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un van, les moyens d'un Airbnb ou d'un hôtel pour rompre avec le quotidien. Une voiture, grande ou petite, saura vous offrir un minimum de confort, avec un peu de volonté, d'envie, mais surtout, le désir de profiter pleinement de ce que nous offre la nature au moindre virage. Et le véritable luxe, c'est qu'elle vous permet de changer de balcon chaque matin. Et ça, ça n'a pas de prix. Bienvenue en Bretagne, non loin de la pointe des Capucins, où je dors ce soir. Mais avant, il faut bien manger. Alors, préparation du repas. Et vous allez voir, je vais faire un effort par rapport aux vidéos précédentes. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. Alors, comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, et donc mon réchaud a fini dans ma voiture. Mais bon, pas peu fier du résultat, regardez-moi ça. Franchement, je me suis surpassé. Mountain Laurel high fives for miles in spring. J'ai rajouté aussi un autre ingrédient, ce sont des edamames, pour celles et ceux qui connaissent. Golden, I'll follow. Bon, vous commencez à être habitué au café matinal. Cet instant précède toujours la séquence découverte des lieux d'intérêt autour de l'endroit où je dors. Mais j'ai un peu bougé ce jour-là, allant d'une pointe à une autre, car malgré que les lieux soient juste magnifiques, ils sont vite parcourus. Par contre, c'est la déception, pas de plan de drone, ayant une proximité militaire. Allez, place à la découverte. La Bretagne est splendide, malgré quelques austères nuages qui ternissent sa beauté. J'avais peur que les reliefs d'Ardèche me manquent, j'avoue. Mais c'était sans compter sur ce genre de paysages qui parviennent à vous faire pousser un « ah ouais, quand même ». On se dirige maintenant vers la pointe de Dinan, qui regorge d'endroits et de paysages vraiment, vraiment d'exception. She did right.
que cet épisode vous aura plu et surtout ce nouveau format. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Nouveau lieu, nouvelle nuit, nouvelle découverte. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et actionner la cloche pour être avisé de mes prochains épisodes. À bientôt !